Yeah.
Yeah.
Mais il y a passant un petit peu plus tard, donc quatrième. Bilan de cette première journée, Fauconnet. La tête dans le cou et la tête dans le cul. Voilà, on va y arriver. Et c'était compliqué, mais après, bon, on a su évoluer au fur et à mesure. Il y a quoi? Il y a peu de secondes, d'un petit seconde devant qu'il faut aller chercher pour une place et il y a que trois places sur un podium à part se brasher les mains. Oui, mais c'est but, hein. On s'arrache la main à la même place. Je pense que c'est la sortie de la journée. Je vais forcer un peu. Donc, tu étais. Ben voilà, donc il y a l'objectif. On va essayer de. Non, demain, il sera une autre journée. On va essayer des chemins, des arbres, des ravins, des cailloux. On va venir à pleine. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est un peu. Ce sont les années où, avec la Serre, j'ai roulé face à Laurent Fouquet, Daniel Pavie. Il m'a metté le samedi. Voilà, c'est ma façon de rouler qui est comme ça. Je m'y fais pas dans les champs, j'aime pas tirer sur le moteur, j'aime pas tirer sur l'auto. Est-ce que c'est ça qui me fait un petit peu freiner? Voilà, on verra demain. Et on va aller voir Alexandre Thion, si tu peux le prendre. Il est là, Alexandre. Allez, je te laisse, puis je vais voir avec Vincent, après Vincent Foucault, Fabrice Rivet. Puis on va essayer d'aller vite pour avoir tout le monde. Septième, je pense que le bilan est bon vu le plateau. Écoute, ouais, c'est vrai que c'est bon. Tu as signé pour la sixième place pour notre ami Foucault. Je vois qu'il n'y a pas du tout d'improvisation du côté de la maison Fouquet. Je ne veux pas que le moteur prenne l'humidité. Alors,